Abadé à Trècheville là, faut même t'arrêter. Bonne arrivée les gars. Moi, il m'a allé chercher mon téléphone à 13 8, tu viens t'arrêter devant moi que tu as débattu avec moi. Il n'y a pas de problème, viens à Figaro. Tu viens, tu es petit, tu es garçon, faut rentrer. C'est un enfant. Ok. Filmez-le, hein. Après il va les découper, jeter là-bas pour dire non, c'est quoi. Est-ce que moi je connais lui là? Moi je ne cause pas. Est-ce que moi je le connais? C'est lui qui est là-bas là qui m'a dit, il va te montrer que l'islam est faux. Que lui il est chrétien et il est kémite, il veut te montrer que l'islam est faux. Il dit encore lui. C'est un non? Ah. Alhamdoulilah. C'est bon. Tiens, non, tiens. Il y a une chose. On va vous donner un micro. Il n'y a pas de problème. Il y a une chose que je voulais vous dire devant le public. Ici là, s'il vous plaît. Ici là, on n'est pas agressif. On n'est pas violent. On n'est pas pervers dans les mots. Argument, contre-argument. Tu lui as dit ça? Ok. Je voudrais saluer hein, tous mes frères qui vous êtes tous ici. Je vous salue. Hein, vous tous là-bas. Je salue tout le monde. Alors, quand on quittait l'objet de la visite, on l'avait déjà connu par avance, mais je vais le réitérer. Quand on se quittait la dernière fois, moi et le frère Aka avons décidé de débattre aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que nous sommes là. Voilà. Normalement, c'est pas aujourd'hui, c'est déjà deux jeudis passés. L'autre jeudi, lui, il a été la fête. Et maintenant, on vient aujourd'hui pour vous rencontrer. Voilà, donc je pense que c'est ça. Bon arrivé. Merci. C'est quoi le thème? Bien, le thème, c'était, est-ce que Mohamed était vrai prophète? C'est ça le thème. C'est ça le thème? Oui. Est-ce qu'il était vrai prophète selon quoi? Selon le livre qui définit les critères du vrai prophète. Selon la Bible et le Coran. Selon la Bible. Pour moi, c'est selon la Bible. Et le Coran. Bon, le Coran... Pour que le Coran soit un arbitre, puisque le Coran lui-même a été envoyé par Mohamed, il faut qu'on sache d'abord que Mohamed lui-même était un prophète avant de considérer le Coran. Merci. Donc le Coran est écarté. Donc le Coran, on peut l'écarter. Donc selon la Bible. Selon la Bible. On ne sort pas. On peut ne pas sortir. On ne sort pas de quelque part selon la Bible. Mais je ne sais pas. Ça commence. Je ne sais pas. Bon, ok. Si tu veux, on va dans la Bible. Ok, allons. Voilà. Ouais. Mettez-vous à l'aise. 10, il se met en acte et finit nous faire ça. Allez-y, on vous écoute. Bon. Ok. Bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai salué tout le monde. Mais. Ah. Non. Le temps qu'on a prévu, c'est ce temps-là qu'on va utiliser. Voilà, faut pas décaler les choses. Vous avez 10 minutes, vous finissez, on a 10 minutes. On a prévu 5 minutes, 5 minutes. Et ensuite, on va passer à 10 minutes, 10 minutes, monsieur, 15 minutes, 15 minutes. Écoutez, oui. On est déjà pris par le temps, voilà pourquoi on fait 10, 10, 10, 10 en avance. D'accord. Bon, est-ce que Mohamed était un prophète, était un vrai prophète?
À mon avis, on va commencer d'abord par dire merci à Dieu. Et on va dire ça avec un petit cantique. Et puis après, on va rentrer dans le développement. Alors, je vais réciter la prière de Somme de Deutéronome 6, 4. Deutéronome 6, 4. Qui dit Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kivod, Malchuto Leolam Vaher. Ce qui veut dire, écoute, ô Israël, Adonai notre Dieu, Adonai est un. Béni soit son nom et que son royaume existe pour l'éternité, pour des siècles et des siècles. Amen. Bien. Est-ce que Mohamed était un vrai prophète? Eh bien, pour savoir qui est un vrai prophète, qui ne l'est pas, la Bible pose les conditions. Comme on a déjà dit, qu'on ne va pas aller dans le Coran. Mais ici, on peut aller dans les hadiths, parce que les hadiths ne sont pas les paroles de Mohamed. Ce sont les témoignages des sourds qui sont autour de Mohamed. Donc on peut aller dans les hadiths. Bien. Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, pour nous les chrétiens et chez les juifs, le mot prophète c'est en hébreu. Nevi. Nevi qui veut dire être rempli de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, au point de dire les choses à venir. C'est ce qu'on appelle un prophète. Donc on n'est pas prophète. On n'est pas prophète. On ne vient pas au monde en tant que prophète. Selon la compréhension judéo-chrétienne, on n'est pas prophète. On devient prophète. Le prophète, c'est celui-ci qui Dieu a mis un esprit et qui commence à dire des choses à venir. C'est celui-là qu'on appelle un prophète. Vous comprenez? Donc, est-ce que Mohamed est un prophète? Le critère se trouve dans Deutéronome chapitre, le verset 1 à 6, que nous allons lire. Bon, comme on a un peu autre chose, si les frères peuvent lire ça dans la Bible, quand il y a des Bibles devant eux, ça va nous permettre de gagner en temps, au lieu que je vais me mettre à chercher. Deutéronome chapitre 13, le verset 1 à 6. Deutéronome 13, premier. Oui. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. » Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme, de toute votre âme. Merci. Donc ici, le critère est posé. Pour qu'on soit un prophète, ce n'est pas de dire forcément des choses qui vont se réaliser. Parce que même un faux prophète peut dire des choses qui se réalisent. Moi, j'ai dit des choses qui se sont réalisées. Donc le fait qu'on dit quelque chose et que ça se réalise, ne fait pas de quelqu'un un prophète. Soit un vrai prophète, il faut qu'il l'appelle au commandement du créateur de Adonai. C'est ça la condition. Si quelqu'un vient, si un songeur, si c'est là parmi vous un songeur, c'est-à-dire quelqu'un qui rêve, quelqu'un qui dit le futur, et puis cela se réalise, si cela arrive parmi vous, s'il y a quelqu'un de ce genre parmi vous, ce que vous allez faire, c'est de ne pas le qualifier d'abord pour prophète. Il faut chercher à vérifier s'il va vous appeler à un autre Dieu ou bien au Créateur que Moïse a amené les gens à connaître. Donc c'est ça le critère. Dans le cas de notre Mohamed, je pense que d'abord Mohamed, pour moi, il n'a pas rempli cette condition. D'abord un, parce que Mohamed appelle à Allah. Allah n'est pas connu. Lorsque Dieu dit, s'il appelle à un autre Dieu, ça veut dire que Dieu lui-même, il est déjà connu. Il a déjà donné son nom. Son nom est déjà connu. Si quelqu'un appelle à un autre Dieu, que le Dieu que vous connaissez déjà, c'est que c'est un faux prophète. C'est ce qui est écrit là-bas. C'est ce qu'il vient de lire.
Oh, Mohamed appelle, Moïse a appelé à qui? Moïse a appelé à Adonai. Il a appelé au nom qu'on ne peut pas mentionner, qu'on appelle le tétragramme, c'est-à-dire les quatre lettres. Les chrétiens et les juifs, d'autres ont mis les voyelles et on appelle ce nom-là Yahvé. Vous comprenez? Donc il faut que la personne appelle à Yahweh pour qu'il soit reconnu comme un vrai prophète. Dans le cas de Mohamed, il n'a pas appelé à Yahweh, il est appelé à Allah. Ça c'est un. De deux, il appelle Mohamed, Mohamed amène des gens à suivre d'autres commandements que le commandement de Dieu, que le commandement de Adonai. Par exemple, chez nous les chrétiens et chez les juifs en général, qu'est-ce qu'un péché? Le péché, c'est le mépris de la loi. Le péché, c'est le mépris de la loi. Une fois que quelqu'un contredit la loi de Dieu, la loi qui est le cinq premiers livres de la Bible, une fois que quelqu'un le contredit, on dit que celui-là est dans le péché. C'était un pécheur qui est là. Mohamed a contredit de façon grotesque beaucoup de passages dans la Torah. Beaucoup. Par exemple, Mohamed dit que les enfants de Noé qui sont rentrés dans le bateau, un d'entre eux est resté dans le bateau. Et il est resté dans l'eau. Il est resté noyé dans l'eau. Hmm? Il est resté noyé dans l'eau. Quand vous partez dans Genèse chapitre 8, verset 16, verset 18, Genèse chapitre 9, verset 18 à 19, il dit que les enfants de Noé sont tous sortis. Hem, Shem et Yafet sont sortis avec leurs femmes. Ils ont créé des villages. Lorsque vous allez dans la sourate 11, verset 45, bon, ok, on a prévu, oui. Non. Oui, on a prévu sortir de oui, moi j'ai prévu toutes les éventualités, hein. Donc c'est pas un problème. Oui. Mais va parler. J'ai prévu toutes les éventualités parce que au cas où on nous demandait de rentrer dans le Coran, on va y entrer, il n'y a pas de problème. Donc ici, il dit qu'un des enfants de Noé est resté dans l'eau. C'est du mensonge. Et ce n'est pas vrai. Parce que tous les enfants de Noé sont sortis, selon Genèse chapitre 8, verset 16 à 18. Et puis, l'autre point, il dit encore que le Coran dit, Mohamed dit encore que l'un des enfants, ah oui, on vient de finir avec l'un des enfants, le Coran dit encore que Mohamed dit encore, quand je parle du Coran, je parle de Mohamed en fait, il faut comprendre ça. Donc, Mohamed dit encore que. Oui, il dit encore que le père d'Abraham s'appellerait Hazar. Or, la Bible nous dit que le père d'Abraham s'appelle Terah. Il suffit seulement d'aller dans Genèse chapitre 11, le verset 27. Verset 27. Là. Et quand vous partez encore dans une autre, hein, dans un autre verset de la Torah, les enfants que Moïse a trouvés au puits sont sept filles. Les enfants de Jethro qui ont été trouvés au puits sont sept filles. Mohamed nous dit que ce sont deux filles. Donc tout ça sont des contradictions. Donc à part, quand on voit ces contradictions, on peut dire aisément qu'il n'appelle pas à suivre les commandements du Dieu d'Abraham, du Dieu de Moïse, les commandements auxquels Moïse nous appelle, mais il appelle à d'autres commandements. Ce qui est un péché. Ce qui démontre qu'il n'est pas un vrai prophète. Voilà. Donc pour terminer, on a très cherché un vrai prophète dans la Bible. Si vous cherchez quelque chose qui est vrai dans un livre, ça veut dire que vous reconnaissez déjà que ce livre-là est vrai. Parce que si le livre lui-même il est faux, on ne peut pas y trouver quelqu'un qui est vrai. Voilà. Donc déjà... Ok, j'ai fini. J'ai fini. Et donc, déjà, quand on voit tout ça, on est à mesure de dire que Mohamed n'est pas un vrai prophète d'Adonai. Voilà. Merci. Ah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, top chrono. Ok. Ma kana Muhammadun aba a'adin min rijalikum, walakin rasulullah wa qataman nabihin. Frère, tu dis qu'il faut pas toujours au courant. Tu es allé faire quoi dans le courant? C'est toi qui as donné le critère. Non, laisse ça. On est en train de parler.
Tu dis, il ne faut pas en toucher au Coran. C'est une manière de dire, toi-même, tu ne peux pas prouver qu'il est faux prophète dans la Bible d'abord. Après, il faut raison le Coran. Donc, on touche Coran, mais on ne touche pas. Tu dis, on ne touche pas. Donc, on ne touche pas. Premier verset. Mohamed est-il un vrai prophète? Je donne les références bibliques d'abord. Deutéronome que tu as pris, Ismaël va gérer ça. Prends-moi 1 Jean 4, verset 1er dans sa Bible. 1 Jean 4, 1er. Vas-y, frère. Bien-aimé, ne vous fiez pas à tout esprit. Ne considérez pas tous ceux qui disent on a l'esprit de Dieu, tous ces esprits-là. Ça fait allusion aux prophètes. Hein. Allons-y. Mais mettez les esprits à l'épreuve. Il faut les éprouver pour voir. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Si ces esprits-là sont de Dieu. Les esprits ici, ça parle des prophètes. Vas-y. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Il y a beaucoup de prophètes qui sont dans le monde. Il y a un prophète Guillaume Kofi qui dit, lui, le prophète, il dit, Jésus n'est pas mort pour vos péchés. Donc, allez-y régler ce problème-là avec lui en attendant. Allons-y. Voici. Comment identifier l'esprit de Dieu. Voici comment reconnaître un vrai prophète. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie. Tout prophète, ou encore tout esprit, il me dit que ça fait allusion au prophète. Tout prophète qui va reconnaître que Jésus-Christ c'est le Messie là. Venu en homme est de Dieu. Celui-là c'est un vrai prophète. Et le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a confirmé que Jésus est le Messie. Ça fait un. Ta Bible dit, si on reconnaît que Jésus est le Messie, celui qui va reconnaître que Jésus est le Messie venu de Dieu, et c'est un être humain, c'est un vrai prophète. Ça c'est le premier point. La Salam a appelé à adorer le Dieu d'Abraham, d'Ismaël, d'Isaac, de Jacob, de tous les prophètes. Maintenant si toi tu dis qu'il n'est pas un vrai prophète, sur base de quoi? Est-ce qu'il a appelé pour aller adorer les idoles? Tu dois le prouver. Deutéronome 13 que tu as pris. Bismillah. Bon arrivé Toto. Honnêtement, moi la seule question qu'il me pose c'est qui vous envoie ici? Qui t'a envoyé ici? Qui t'a envoyé? Nanayereman. C'est bizarre. Tu viens démontrer que le prophète Mohammed est un faux prophète. Je t'ai demandé, sur base de quoi? Tu dis sur base de la Bible. On a qu'à écarter le Coran parce que le Coran pour toi est faux. Mais en même temps, dans ton développement, tu dis qu'il est un faux prophète parce que la Bible a dit que tous les fils de Noé sont morts. Mais lui, il a dit que non, il y a un qui est sauvé. Il a dit ça où? Dans quelle Bible? Dans quel livre le prophète Mohammed a dit qu'il reste un, il y a le fils de Noé, un qui est vivant? T'as me dit le nom de ce livre-là. Mais si tu as dit le Coran, ça va me plaire. C'est toi mais tu as dit on ne touche pas le Coran. Pas le Coran. Donc tu ne peux pas te juger sur la base du Coran. Pourquoi tu fais ça? Ça fait un. Deux. Tu as pris, regarde, lui-même, toi-même, tu as pris le pistolet. Et puis tu t'es tiré une balle dans le pied. Bah, tu prends Deutéronome chapitre 13, verset 1. C'est ça votre problème. Vous prenez ce qui ne vous arrange pas, faisant croire que ça vous arrange, alors que ça ne vous arrange pas. On va relire le texte, on va voir mot par mot si vraiment ce texte-là démontre que Mohamed n'est pas un vrai prophète. Vas-y frère. Deutéronome 13, premier. Oui. S'il s'élève au milieu de toi un prophète. La différence entre toi et moi, c'est que toi tu as lu, tu n'as pas expliqué. Moi, il y a lire, il y a expliqué et puis il y a te poser une question. Ça t'a, en tout cas, ça t'a mort peut-être au jour de la résurrection, tu auras la réponse. Vas-y. S'il s'élève au milieu de toi un prophète. S'il s'élève au milieu de toi un prophète. Ou oui, un songeur. Ou encore quelqu'un qui fait des songes. Qui oui. T'annonce un signe ou un prodige. Si la personne t'annonce un signe ou un prodige, c'est-à-dire quelque chose qui va arriver, vas-y. Et qu'il y ait accomplissement. Et puis ensuite, ce qu'il t'a dit là, c'est réalisé, oui. Du signe ou du prodige. Exactement, vas-y. Dont il t'a parlé en disant, oui. Allons auprès, après d'autres dieux. Attention, ici Dieu dit, si t'invite à aller adorer d'autres dieux. Oui. C'est-à-dire d'autres divinités qui n'ont rien à voir avec le créateur des cieux et de la terre. Si t'es invité à aller adorer des idoles, si t'es invité à aller adorer des choses qui sont dérivées de la créature et non du créateur, vas-y. Des dieux que tu ne connais point. Des dieux que tu ne connais point. Est-ce que le Dieu des enfants d'Israël est méconnu du Dieu de celui que le prophète Mohammed a annoncé? Question. C'est ce qu'il te pose. Est-ce que chez les juifs, ils disent que le Dieu que les musulmans adorent est différent des siens? Si tu dis oui, tu vas prouver. Mais moi, tu vois le livre bleu qui est ouvert là-bas. Ça t'attend. Tu vois ça? Vas-y. Continue. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. C'est-à-dire que s'il vient t'inviter à adorer d'autres dieux, le Dieu qui n'a pas créé les cieux et la terre, là il devient faux. Mais tout le verset te dit que le prophète Mohammed est vrai parce qu'il a invité les enfants d'Israël ainsi que les Arabes à adorer un Dieu créateur de toutes choses. Donc au contraire, le verset vient te montrer et démontrer que le prophète Mohammed est vrai. Parce que c'est sur cette base on doit voir qu'il est faux. Montre-nous les autres divinités qu'il a invité à adorer. Je te mets au défi. Quand tu prends ta parole, tu dis bon oui, selon Deutéronome 13, Mohammed est invité à aller adorer un autre Dieu qui est différent de celui des enfants d'Israël. Tu fais ça. Vas-y. On va prendre le deuxième critère. Ça là, il te laisse.
pour que tu puisses digérer un peu. On va prendre le deuxième critère. Tu dis, pour toi, il devient faux. Parce que en fonction de ce qu'il a annoncé, le père d'Abraham s'appelait Hazar et lui, l'autre a dit qu'il s'appelait Terak. Tu vas prendre la parole, tu vas me dire, qui a donné le nom Hazar au père d'Abraham? Et c'est où c'est écrit ça? Pardon, il faut bien retenir la question. C'est où c'est écrit? Bref, maintenant pour revenir maintenant à la véracité du prophète Muhammad Ali Salatu Wassalam, c'est le verset que Oustad a cité. De par ce verset-là, il y a la confirmation qu'il est vrai. Ce n'est pas toi qui dois dire qu'il est faux. Parce que pour dire que le prophète Muhammad est faux, c'est que toi tu connais un vrai prophète. Parce que s'il dit que ça là c'est un faux biais, c'est qu'il connaît le vrai biais. Je ne sais pas si tu comprends. Donc avant de dire qu'il est faux, donne-nous les critères qui montrent qu'un tel est un faux. Et puis montre-nous le vrai. C'est en fonction du vrai qu'on détermine que l'autre est faux. Mais toi, tu ne nous présentes pas le vrai. Tu ne nous donnes pas le critère de celui de ce qu'on on doit reconnaître pour connaître que quelqu'un est vrai. Mais tu nous dis qu'il est faux. Il est faux sur base de quoi? Sur base de quoi il est faux? On va prendre Deutéronome 18, verset 18 et suite. J'ai dit Hadith, non? Faut faire sortir. Oui, t'attends. Faut prendre Deutéronome 18. Verset 18. Attention. Et puis vous voyez la preuve de la malhonnêteté intellectuelle. Il dit, on ne touche pas le Coran, mais il veut aller dans Hadith. Hadith dans cette Bible. Vous voyez, alors que les Hadiths sont l'explication de ou même sont encore le dérivé du Coran. Sans force, s'il n'y a pas Coran, il n'y a pas Hadith. Parce que c'est parce qu'il a reçu le Coran qu'il doit donner les enseignements du Coran dans les Hadiths. Mais comme il n'est pas, moi il t'attend dans Hadith. Si tu as sorti un Hadith qui dit que le prophète est un faux prophète, moi il quitte l'islam. Moi il t'attend là-bas. Parce que tu as dit que tu vas montrer dans les Hadiths qu'il est faux. Moi je t'attends que tu me montres qu'il est faux dans les Hadiths. Vas-y, frère. Moi, David est venu, il lui donne un hadith. Le premier hadith qui t'attend même derrière la scène. Vas-y, lisez le hadith. Voilà, allons-y. Il fit venir la femme juive. La femme juive. Qui reconnut ce geste. Elle a voulu empoisonner celui que tu dis n'est pas prophète là. Regarde, allons-y. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda pour quelle raison elle avait fait cela. Pourquoi tu tentes de moi m'assassiner? Pour quelle raison? Sur base de quoi? Elle dit quoi? Elle répondit. Oui. Je me suis dit que. Oui. Si tu étais un roi. Un roi. Je me débarrasserais de toi. J'allais me débarrasser de toi. Et si tu étais un prophète. Si tu étais un vrai prophète. Tu découvrirais la vie. Tu vas découvrir la vérité que vienne là est empoisonnée. Alors que le messager d'Allah prit un morceau qu'il recracha. Il a recraché le morceau de la viande là. Pourquoi? Ne parvenant pas à l'avaler, puis il dit. Il dit. Ce morceau de viande me dit qu'il est empoisonné. Vas-y, vas-y, frère. Voilà le boss. Voilà la véracité du prophète. Ça, là, miracle, ça, là, Jésus n'a pas fait. C'est que deux pas. Regarde, la dame dit, je vais voir si tu es un vrai prophète. Si tu es vrai, la viande va t'avertir que tu es vrai. Donc la preuve même qu'il est vrai déjà est démontrée par ici. Mais regarde, on va prendre tout juste parce que tu as chanté tout à l'heure. Adonai Elohim, Adonai. C'est bien. Chanter, c'est bon. Mais comprendre ce qu'on chante, c'est aussi important. Sinon, autrement, tu deviens un disciple de Yorongo. Donc, on va, comme tu as parlé de Adonai, Yahweh et Had, là, tu vas nous expliquer ce que ça veut dire. Genèse 17, verset 20, rapidement. Genèse 17. Oui. Au verset 20. Vas-y, frère. À l'égard d'Ismaël. Voilà, pardon, il faut retenir ce qu'on te dit. Parce que tu écris. Souvent vous écrivez, mais après là, vous devenez comme les médecins. Vous donnez faux médicaments aux gens. Faut bien dire ce que tu réponds. À l'égard d'Ismaël. À l'égard d'Ismaël. Genèse 17, verset 20. On dit à l'égard d'Ismaël. Oui. J'étais exaucé. C'est Yahweh qui dit ça. J'étais exaucé. Oui. Voici. Voici. Je le bénirai. Je le bénirai. Je le rendrai fécond. Je le rendrai fréquent. Et je le multiplierai à l'infini. Vas-y. Il engendrera 12 princes. Mm-hmm. Et je ferai de lui une grande nation. Comme Yahweh, que tu as chanté son nom là, il ne ment pas. Je veux savoir, quand est-ce que cette prophétie de Yahweh et Had là s'est accompli et en qui cette prophétie là est accomplie si vraiment le prophète Muhammad est un faux prophète. Après ça là on va encore avoir, après ça encore avoir. On a fait 10-10 non. 10-10 non. Bien, merci beaucoup, chers frères, pour votre développement. Ce que je vois ici, je vois que c'est juste de la distraction, pas grand chose.
Alors, pour répondre, pour aller d'abord avec le frère Diané, ici, les jalons sont posés et c'est par ces jalons-là qu'on juge même le prophète Jean-Baptiste. C'est depuis Deutéronome 13 qu'on le juge. Ce n'est pas ce que lui dit, c'est Deutéronome 13 qu'on prend pour le juger. Donc, c'est sur cette base-là qu'on va. Ce n'est pas sur la base de Jean. Là, il faut le comprendre déjà. Maintenant, tu parles de... Le frère dit qu'il a pris tout à l'heure Deutéronome 13. Il dit, celui qui appelle à un autre Dieu et que Mohamed aurait appelé au Dieu des enfants d'Israël. J'aimerais que tu me donnes le nom qu'il a dit utilisé. Parce que Moïse, qui est l'un des grands prophètes des enfants d'Israël, n'a jamais utilisé le nom Allah. Il ne l'a jamais utilisé, jamais mentionné. Donc, voilà pourquoi je dis tout simplement que si on va sur cette base-là, Mohamed n'est pas un vrai prophète. Vous allez faire des acrobaties, mais dans l'eau. Maintenant, mon frère me dit que... il a dit quelque chose qui me fait rire. Hein. Mon frère dit que une femme qui a voulu empoisonner Mohamed... Non, elle n'a pas voulu. Elle a empoisonné et il est mort de ce poison. Vous pouvez voir, vous partez dans Al-Bukhari, vous partez dans le livre, vous partez dans Hadith Al-Bukhari, vous partez dans le livre de Hadith, dans Hadith Al-Bukhari, le 44-32. Vous allez voir, c'est écrit là-bas, c'est pas moi qui ai écrit, ça est là-bas, vous pouvez lire ça là-bas. Donc effectivement, il a été empoisonné et il est mort de ce poison. Donc déjà, ça c'est un critère déjà, pour dire que déjà il est disqualifié. Mon frère me dit, à quel Dieu il appelle? Est-ce que Mohamed a une fois appelé à d'autres dieux? Mais oui, il a appelé à d'autres dieux. Si tu ne le sais pas, je vais te le dire. Il suffit seulement d'aller dans la sourate 33, verset 19. Ok, d'accord. Bon, ok, je suis d'accord avec ça. On ne va pas dans la sourate. On va aller dans le hadith. On va aller dans... Pourquoi on ne va pas là-bas? Moi, avant de commencer, j'ai dit qu'on va aller dans le hadith. Je l'ai dit. Voilà, je l'ai dit. J'ai dit qu'on ne va pas aller dans le Coran, mais on peut aller dans les livres qui sont autour du Coran. On peut aller même, on peut, voilà. Donc si on va dans la Sira par exemple, Rasoulou Allah de Bonne Jacques. Rasoulou Allah, c'est du quoi? Rasoulou Allah, le messager d'Allah. Oui, mais c'est Ebony Ishak qui a dit, Ebony Ishak même était un païen. Donc ne vous précipitez pas. C'est un païen qui l'a dit, donc ça n'a pas de sens. Donc, si on va dans ça, on se rend compte là-bas que Mohamed, effectivement, a appelé à d'autres divinités. On se rend compte là-bas qu'il a appelé à d'autres divinités. Ok, si on va par exemple de Hadith Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, le livre 19, verset 2, numéro 177, on trouve là-bas clairement que Mohamed a appelé à d'autres divinités, c'est-à-dire Lat, Manat et Al-Uzza, qui sont les enfants de Allah. J'ai donné les références. Moi je n'ai pas envoyé Al-Bukhari, mais Al-Bukhari c'est pas mon livre, moi je vois Al-Bukhari comme tous les autres, voilà, c'est pas mon livre. Je n'en ai pas besoin. Voilà, j'utilise ça pour vous montrer que, effectivement, Mohamed n'est pas un vrai prophète. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez. Donc, quand vous partez dans ce hadith qui est répété même dans le livre 60, verset 66, numéro 386, vous allez trouver encore là-bas qu'il est mentionné que Mohamed a appelé à d'autres divinités. Donc, déjà, Mohamed, il est disqualifié. Si on voit ça, on n'a même plus besoin de continuer le débat. Il est disqualifié parce qu'il a appelé effectivement à d'autres dieux. Il a appelé à tous les dieux, sauf au dieu de Moïse. Voilà. Donc ça, c'est clair. Et quand on continue un peu, même dans ce même livre, vous allez voir, je vais vous montrer même certaines personnes qui ont dit des choses à Mohamed et que Mohamed a répété et qu'il a dit que c'est Allah qui vient de lui parler. Oui. Les gens ont dit des trucs à Mohamed et Mohamed a dit que Allah vient de lui parler. Ça, je vais vous montrer ça aussi. On veut voir ça. Bon. Oui.
Alors, quand vous allez dans Ebon Katir, vous allez vérifier. Vous allez vérifier. Mohamed a dit clairement, quelqu'un a reconnu le conseil qu'il a prodigué à Mohamed. Et Mohamed vient dire aux gens que c'est Allah qui vient de lui parler. Par exemple, pour vous qui êtes en train de crier, qui avez porté les voiles que vous avez portées là, c'est un monsieur qui a donné le conseil à Mohamed. Et Mohamed a dit que c'est Allah qui lui a dit. Je vous ai donné les références. Donc vous êtes très belle avec vos voiles, mais c'est un homme qui vous avait conseillé ça. Alors, donc il suffit pour le voir, il suffit seulement d'aller dans Ebon Katir. C'est la même personne. C'est la même personne qui a donné le conseil à Mohamed pour le voile. C'est la même personne là qui a donné le conseil à Mohamed que si ces femmes pouvaient les chasser et puis Allah pouvait les remplacer. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est pas moi qui le dis. Je suis en train de citer les livres. Ok? Donc voilà. Donc tout à l'heure, mes frères m'ont demandé de montrer où Mohamed appelle à d'autres dieux. Et j'ai montré déjà, j'ai dit, dans la, il suffit de voir seulement dans Ibn Ishaq pour comprendre ça. Et je vous donne le numéro. Vous pouvez tout vérifier ça. Il ne suffit pas d'applaudir ou de crier. Il suffit d'aller à la maison et puis prendre son temps pour examiner ça, pour être déçu. Voilà. Je continue encore pour dire. Il y a plein de choses que les gens ont dit, qu'on retrouve aujourd'hui, que les gens appellent parole de Dieu. Par exemple, lorsque vous partez dans Ebon Katir, Jésus aurait fait fabriquer l'argile pour en faire un oiseau volant. Ça se trouve déjà dans un livre qui existait 300 à 400 ans avant Mohamed. Avant Mohamed, ça existait déjà. Il faut vérifier. Hein, ça existait déjà 300 à 400 ans avant Mohamed, dans un livre qu'on appelle le livre de Thomas, l'enfant de Jésus. Vous pouvez vérifier ça sur Internet. Là où Marie, la mère de Jésus, où Jésus parlait au berceau, par exemple, ça se trouvait déjà dans nos livres. Nous, les chrétiens, on les avait déjà. Voilà, donc si vous les avez comme parole de Dieu, c'est bien. Mais nous, on les avait déjà dans le livre de pseudo Matthieu, au chapitre 6, vous avez ça, où Jésus parle au berceau. Et ce livre a été écrit 300 ans avant Jésus, avant Mohamed. Donc ce sont des trucs que les gens connaissaient déjà. Ok, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et vous, si vous partez où Marie a secoué le dattier, qui se trouve aussi dans le pseudo Matthieu, le chapitre 18, 19 à 20, et bien on a dans le livre de pseudo Matthieu. On savait déjà que Marie avait secoué un dattier et que sur le dattier lui a procuré la nourriture. On le savait déjà avant. Donc ce ne sont pas les paroles de Adonai. Ce sont les paroles des hommes. Voilà, ce sont les paroles des hommes. Attends, donc, c'est bon. Ça c'est fini? Oui, c'est fini. Bon, d'accord. Donc, chers frères, chers sœurs, voilà ça. Je donne les références à vous de vérifier. En tout cas, voilà ça. Déjà, vraiment... Ça fait... Ouais. C'est pour ça qu'ils demandent qui les envoie ici. Tout ce que ça fait là. Bon, allez-y dans Ibn Ishaq. Bon, on arrive chez Ibn Ishaq, on fait comment? Tu dis c'est un païen. Tu dis Ibn Ishaq c'est un païen, puis tu nous envoies là-bas. Allez-y chez Ibn Ishaq. Tu dis il y a un mort qui a donné conseil au prophète que les filles doivent se voiler. C'est son nom qu'il voulait. Mais moi je connais son nom. Ah. 1 Corinthiens 11. Verset 5 à 7. Voilà, il y en a un voir de mort là. Parce que c'est le prophète Mohamed, c'est que c'est un de ses morts, un de ses frères qui lui a donné conseil. Et puis il a répété, et puis il dit c'est la parole de Dieu. Donc c'est pas vrai. On est d'accord? 1 Corinthiens 11, verset. Déjà avant le prophète là, le même moron là, il a déjà donné conseil à quelqu'un dans vos Bibles, mais ça fait Paul. Vas-y, qu'est-ce qu'il lui a donné? 1 Corinthiens 11, verset 5. Oui. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. Le moron là, t'as donné son conseil, non? Il disait ça à Paul. Il dit Paul, une femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. Donc le gars qui a donné conseil au prophète, il donnait conseil ça à Paul avant même que le prophète ne déshonore. Déjà, il les a trompés. C'est comme s'il. Elle était rasée. Voilà, il est à blague. Continue. Car, oui? Si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Voilà, c'est un menteur, hein? Oh! Il a menti à Paul. Oui, vas-y. Oh! S'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Stop. Ah non, là, ça, c'est un mensonge. Vous savez, comme il a menti à Paul, non?
Voilà, bon. Comme c'est un mensonge, il a menti à Paul. Donc c'est normal qu'il vienne aussi dire au prophète que voilà, elle aura se voilé. Donc c'est deux menteurs qui se sont fait manipuler. Voilà, c'est que lui, il avait menti au prophète, il a menti aussi à Paul. Donc avant que le prophète ne soit trompé, le premier menteur, c'est Paul. Avant le prophète. Voilà. Maintenant, Titi. C'est rentré. Hein? Voilà, Titi. En fait, tout ce que tu as cité, on a aucun. Regarde, il était mis au défi. Reprends ton texte et cite-nous une référence. On va voir si ça existe. Cite. N'importe, cite une référence de ce que tu as écrit. Non, mais il faut donner le micro. Donne tiens, le micro. Tiens, cite-nous une référence. On va voir si ça existe. Tu me donnes combien de temps? Non, une minute seulement. Vous allez citer la référence. Non, parce que je suis. Ibn Kassir, là, volume combien? Dans quelle page? Voilà, numéro, tout. Voilà, vas-y. Parce que chaque Ibn Kassir là, il développe une sourate. Affaire de Ibn Kassir. Pourquoi te laisser? C'est pas toi qui as cité. Je viens. Donne-nous la page. J'ai dit tout à l'heure. S'il vous plaît. Laissez, s'il vous plaît. Tu dis, on a qu'à aller dans Ibn Kassir. Voilà, on va regarder. Voilà, donne-nous la page, le livre, le numéro. On va voir. Tu veux nous marmailler, quoi. Faut nous donner au revoir. D'abord, j'ai parlé de Al-Bukhari. Non, Ibn Ishaq, t'as cité par exemple. Oh, laisse-moi le laisser finir. Bon, vas-y, donne Al-Bukhari là. Bukhari, tu te précipites là. Oui, Bukhari. Al-Bukhari, livre 19. Livre 19, ça résiste où ça? Ça résiste pas. Le volume 6, le volume 2, hein, le volume 2, le numéro 177. Et puis, livre 60, attendez, le volume 6, le numéro 386. Attendez. Vous pouvez prendre ça comme vous voulez. Moi, mon travail, c'est de vous montrer la vérité. Mais moi aussi, c'est de vous montrer. On va vérifier ce que tu as dit. Donc, ça, c'est clair. Amidou. On n'a pas bien de se fatiguer. C'est bon. Vous voyez, ils viennent ici comme ça. Bukhari, volume 6, numéro 72. C'est trop facile. Toi, tu viens faire un débat avec des intellectuels. Tu viens, normalement tu dois avoir tes outils pour citer que, voilà la référence. Regarde, moi il te démontre que le prophète Mohammed, le Dieu qu'il annonçait, il paraît que celui des Juifs. Regarde comment on fait, il te démontre ça. Regarde, juste après ça, on va prendre le verset 1. Tu dis que le Dieu de Mohammed est différent des Juifs. Il te met au défi de lire ça, à rattraper. Lis. Non, c'est pas petit, tu peux voir. C'est quel livre? Ouais. C'est là-bas, bon, hein, c'est pas là. Il faut lire ça. C'est la Torah. Attends, donne-moi. Voilà, merci. Merci. Prends ça. Non, ici. Nous voyons. L'accomplissement. Écoutez bien. Mais, regardez. Ah. Voilà des mythomènes. Nous voyons déjà. Ça, c'est pas l'écriture de la Bible. C'est le commentaire de quelqu'un. Oui. Le commentaire d'un juif. Attends. Moi, on ne va pas dans le commentaire. Moi, je suis un chrétien. C'est la Bible qui compte, ce n'est pas les commentaires. Voilà. Tu vas pas la parole de Dieu. Attends, regarde. Donc ça, c'est... Non, attends, ça, c'est la parole de Dieu. Ibn Ishaq, c'est la parole de Dieu. Chez vous... Est-ce que Ibn Ishaq, c'est la parole de Dieu? Non, Ibn Ishaq n'est pas la parole de Dieu, mais Ibn Ishaq dit des choses que vous considérez. Mais nous, on ne considère pas les commentaires ici. Nous, on considère ça. Oui. Maintenant, on va voir ce que les juifs considèrent. Faut lire seulement. Mais moi, je ne suis pas un juif. Ouais, c'est pas un juif. Ça, ce sont les commentaires. Oui, mais faut les commentaires, je suis un chrétien, nous les considérons. Je sais, je sais. Non, je ne lis pas ça. Faut lire. Non, je ne lis pas ça. Pourquoi? Montre-moi ça dans la Bible, je vais lire ça dans la Bible. Attends, tu n'as pas dit que la Torah, c'est pour les juifs? La Torah, nous les chrétiens, on utilise la Torah. Oui, mais est-ce que c'est pas taxe? Nous, quelqu'un, nous utilisons la Torah, c'est notre livre. C'est vrai. Est-ce que c'est un livre? C'est pour notre livre, nous les chrétiens. Je veux savoir. Genèse pourrie. Non, tu dis que Mohamed n'est pas dans la Bible. Oui. Il n'a pas été annoncé dans la Bible. Doucement. Il n'a pas été annoncé dans la Bible. C'est ce que tu as dit, non? Oui. Très bien. Là. Hey, oh, monsieur, tu sais parler, tu donnes la caméra, puis tu viens parler. Voilà. J'ai dit, écoute, regarde. Écoutez bien. Il dit bien que la Torah a été révélée aux Juifs, que le prophète Mohammed a annoncé un Dieu qui est différent des Juifs. Est-ce qu'il a dit des chrétiens? Il a dit des Juifs. C'est bon. Il a pris Deutéronome chapitre 13. Oui. Il a pris Deutéronome chapitre 13, verset 1 à 6. Il dit que là-bas, le prophète Mohammed n'a pas annoncé le même Dieu que les enfants d'Israël. Alors, maintenant, voilà les enfants d'Israël. On va parler maintenant. Ils vont nous dire si c'est vrai ou faux. Oh. Lisons les enfants d'Israël. Mon frère, continue ton développement.
il ne peut pas lire. On va donner à mon gars va lire quand même. C'est pas grave. C'est pas grave. Il a honte de lire. Parce que là, il voit qu'il y a le piège. Pourquoi? Parce qu'il vient de déclarer une chose, que les enfants d'Israël ne sont pas d'accord avec lui. Parce que selon les juifs, les musulmans et eux adorent le même Dieu. Sauf que c'est entre vous et les juifs qu'il y a un problème, parce qu'ils vous taxent d'idolâtre. Voilà pourquoi si un juif rentre dans une église, il doit aller faire la grande ablution. C'est parce qu'il est considéré qu'il est rentré dans un lieu d'idolâtrie. Alors un juif peut aller prier dans une mosquée. Voilà. Donc ça n'a pas la même chose. Donc tu es venu mettre affaire des juifs dedans que Mohamed n'a pas annoncé le même Dieu que les juifs. On va vérifier. Lisons. Qu'est-ce qu'ils ont dit du commentaire de Deutéronome chapitre 17 et Deutéronome 17 verset 20? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous voyons que l'accomplissement de la promesse de Deutéronome 17 verset 20 faite ici à Ismaël. Écoute ce que les juifs disent. Nous voyons que l'accomplissement fait par Dieu de Genèse 17 verset 20 fait à Ismaël, lui, a mis 2333 ans à s'accomplir. A mis 2000 de date. Il faut une datation de la prophétie. 2333 ans à s'accomplir. Donc c'est ça accompli. Vas-y. Avec l'essor de l'islam au 7e siècle de l'ère courante. Qui a emporté l'islam au 7e siècle de l'ère courante? Question. Qui? Continue mon frère. Ce retard n'était pas dû à leur faute. Regarde ce que même les juifs disent. Ils disent ce retard n'était pas dû à eux-mêmes leur faute. Vas-y. Durant cette longue période. Oui. Les descendants d'Ishmaël ont continué à nourrir un ardent espoir jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Oui. Finalement, et qu'ils dominent le monde. Vas-y. Nous-mêmes, descendants d'Isaac, qui devons attribuer à nos fautes, oui, le fait que les promesses qui nous ont été faites ne se réalisent pas. En attendant, on va recevoir les frères. Vous allez attendre, vous allez faire une pause. Pardon. On te dit de faire une pause. La pause là, ça signifie quelque chose. On te prouve que le prophète est fou, tu n'arrives pas à le faire. Donc on fait une pause d'abord. On dit de faire une pause. On ne t'a pas dit de partir. Voilà, on dit de faire une pause. Ça veut dire beaucoup de choses. Allons-y, on va écouter. On va écouter voilà. Donne-leur le micro, on les écoute. Bonne arrivée, les frères. Merci bien. D'abord, je tiens à saluer l'Assemblée. Et je vous remercie. S'il vous plaît, écoutez-le. Je disais, je tiens à remercier l'Assemblée, à saluer l'Assemblée, et je tiens à vous remercier de me permis au moins de m'exprimer. Nous sommes venus dans le cadre d'un débat fraternel avec vous. Donc, voici la raison pour laquelle nous sommes là. Mais à ma grande surprise, vous m'aviez dit tout à l'heure que vous devez recevoir le frère là. Donc on a jugé bon de repartir à la maison. Donc mon chargé de communication nous a approché. Comme quoi, il y a un commun accord. On va discuter, vous trouver une date adéquate qui va vous arranger, qui va nous arranger pour pouvoir débattre sur l'utilité de l'islam dans notre société et l'utilité de la tradition africaine dans notre société. Donc voici les raisons pour lesquelles nous sommes là. D'accord. Non, il faut garder le micro. On peut commencer peut-être 10 minutes pour voir si ça peut nous amener jusqu'au jeudi prochain, parce qu'il faut débattre sur quelque chose qui peut apporter quelque chose à la communauté. Donc déjà, qu'est-ce que votre culture africaine apporte à la communauté? Et puis ensuite, nous, on va donner pour nous. On vous écoute. Et avec tout le respect que je vous dois, je pense bien que ce forum, c'est un forum sérieux. Voilà, nous sommes des responsables des pères de famille. On ne peut pas débattre de ces conditions-là. Je ne suis pas sûr. Je vais demander d'abord à mon frère si c'est possible. Voilà, si vous me le permettez. Bon voilà. En fait, nous sommes dans un débat où normalement la vérité doit éclater. Est-ce que vous comprenez? Quelles que soient les raisons, mon frère Oussa Djani là, il va me prendre. Parce que moi, j'estime qu'il est au courant de mon arrivée. Parce que c'est lui qui a dit de sa propre bouche, dans mon lieu de travail, qu'il me donne rendez-vous ici, le jeudi. Si jamais, le mois de la... Et comme en fait, tu es déjà là. Voilà. J'ai dit, on a fait 10 minutes pour voir si on peut ramener ça le jeudi prochain. Voilà. Donc on a 10 voilà. minutes. Le temps ne nous permet pas. Non, 10 minutes. Le temps ne nous permet pas. Parce que nous sommes venus au moins présenter... Voilà, tout en 10 minutes, mon c'est vrai. Moi, c'est voilà. Que même toute une vie, ça te suffit. Exactement. Donc, mais ce que je vais dire,
ce qu'il veut dire, en fait, il propose quelque chose. C'est, en fait, il allait te trouver. Bon, vous êtes trouvé quelque part. Vous êtes lancé un défi aujourd'hui. Maintenant, il s'avérait qu'il y a eu dysfonctionnement de programme. Le doyen nous avait contacté le jeudi passé, on lui avait donné rendez-vous aussi. Donc du coup, quand il est arrivé et vous êtes arrivés ensemble, on a jugé, bon, comme lui, c'était public, pour lui, c'était publiquement ici, quand on avait donné le rendez-vous aujourd'hui, on dit, bon, on va départager, au moins on va servir chacun. Lui aussi, il a eu même 10 minutes, ça ne lui suffit pas. Donc on dit, on va faire un peu avec lui, un peu avec vous, au moins comme ça, ça va donner un avant-goût pour le jeudi prochain. Vous voyez, comme il y avait eu un problème d'attente, il dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, c'est vrai, j'ai défié, mais on tient là, ça sera un peu sur la fin, en vous laissant ça au moins échanger deux, trois petits mots de vos arguments pour que au moins chacun dans sa position puisse aller encore développer sa culture pour que le jeudi prochain là, on soit servi en long et en large. C'est juste un aperçu. Sinon il n'a pas dit on va rentrer dans le vif du sujet. Il n'y a pas de souci. Voilà. Moi je t'ai compris en fait. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Le problème c'est que Moussa Diagne qui est là, qui est ici présent, il n'a pas respecté en fait. Parce que je m'excuse. Voilà, il était censé être au courant de mon arrivée. Je m'excuse. Moi, comme c'est une demande, moi je te le redis encore, avec tout le respect que je vous dois et à l'Assemblée, les 10 minutes là. Bon, c'est pas grave, entre les 30 minutes, allons-y 30 minutes. Moi je propose un jour qui vous a. Non, allons-y 30 minutes d'abord. Je ne peux pas dans cette condition. D'accord, on a compris. Les enfants, bon, papa, tu sais, d'accord, donc les minutes ne vous arrangent pas. On a compris, donc on va remettre ça. C'est pas grave. Donc tu ne veux pas qu'on engage. Non. Juste un aperçu. Moi, quand il y a un débat, j'avance des arguments, comme vous le faites pour lui. D'accord. C'est un avant-goût. Bon, d'accord, ok. Un jour. Bon, attends, avant-goût là. Allons pour une heure du temps. Ça va finir. C'est ce qu'il fait. Si on commence là, on prie, on revient. Quoi le problème? On s'en va travailler. On est là, non? Allons-y. Alors, on est quand fini, bonne foi et tout ça. Quand on va commencer 30 minutes là, on va aller prier, non, on revient et puis on enclenche. Allons-y. Affaire n'est pas long là. Vous allez long ça. On finit en même temps. Non, non, mais écoute, tout ça, Daniel. Il dit bon, c'est bon. On va faire une chose, Comme vous n'êtes pas prêt, je comprends, vous n'êtes pas prêt aujourd'hui. Non, il se met là, quand. Vous n'êtes pas prêt aujourd'hui. Avec le respect que je vous dois encore, Samuel. Si moi, je n'étais pas prêt. Je n'ai pas venu depuis 16 ans ici. Il était, j'étais censé qu'on débatte. On a compris. Les 1 heure qu'il a dit là, moi ça ne me dérange rien. Mais le fait qu'il dise qu'il va prier, le moment où on va enclencher là, ça va casser encore. Bon. Moi je propose. Bon, c'est pas un problème. Jeudi prochain. C'est tout. Bon, le rendez-vous est pris pour jeudi prochain. Jeudi prochain. Maintenant, 16h. D'accord, comme vous êtes derrière là, regardez. Hein. Oui. Nous chez nous ici, quand il vient au moins, avant de partir là, nous on a des questions à te poser. Oui. Avec tout le respect que je te dois, jeudi prochain. Non, il faut répondre au monde. Jeudi prochain. Voilà pourquoi il dit. Jeudi prochain, non. Ne fais pas. Mais quoi, l'autre aussi, on a décidé aussi. En fait, jeudi prochain. Je sais, on va débattre. Jeudi prochain. J'ai compris. Voilà. On va établir les bases. Les frères, on est d'accord, jeudi prochain, Inch'Allah. Voilà. On va établir les bases. Mais toi, mets-toi d'abord. Voilà. De toi à moi maintenant. Voilà. Toi à moi, il y a longtemps, c'est pas vu. Bien sûr. Il faut qu'on se prenne les nouvelles. Comment il fait les posts sur les réseaux sociaux? C'est toi qui viens commenter rapidement. Voilà. Est-ce qu'il peut te poser une question le soir? À poser même. Jeudi prochain. Si il ne te pose pas la question, il n'y a pas jeudi prochain. Claire. Parce que chaque fois qu'ils ont fait des posts là, tu es le premier à venir commenter mal des musulmans. Aujourd'hui au moins là, Dieu a facilité. Même si on a eu des problèmes, mais on est face à face. Moi, je dis, j'ai une seule question à te poser. Est-ce que tu me permets? Ismaël Akam. Avec tout le respect que je te dois, est-ce que tu me comprends? Jeudi prochain. Bon, c'est bon, c'est bon. Ah, revenons pas bien. Merci. Merci beaucoup. Ok, bonne soirée à vous. Viens, on va terminer. Merci beaucoup. Avec tout le respect que je te dois, au revoir. D'accord, on va terminer sur la prophétie. Voilà, donc, le frère, oui. Il avait dit, oui. Comme tu dis, Mohamed sur la salle, mais un faux prophète là. Oui. Ok, chers frères, on va revenir encore à notre machin. J'ai dit, le frère, tu vas répondre un peu à quelques... Non, c'est pour ça que ça, c'est une question qui est posée. Sinon, on peut répondre à beaucoup de ce qu'il a dit. Il a posé des questions.
moi j'ai un débat, c'est pas toi qui me gouverne. Oui, mais nous aussi. Non, je vais dire que. Le temps de parole est fini. C'est quoi raccord maintenant? Question-réponse. Question-réponse. Il t'a posé une question. Comme oui. Mohamed est faux, qui est vrai? Par exemple, Josué est vrai. Et puis? Par exemple, Daniel est vrai. D'accord. Esaïe est un grand prophète. Qui les a envoyés? Le Dieu qui les a envoyés là, il s'appelle comment? Il s'appelle Adonai. Adonai, non? Oui, et son nom. Son maintenant, nom, je veux savoir. Oui. Son nom, j'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, j'ai dit qu'il s'appelle Yahvé. Yahvé parce qu'on a ajouté des voyelles. Voilà, sinon, il s'appelle Adonai Yahweh. On utilise Adonai pour le désigner, mais son nom que lui il a donné, c'est... il s'appelle Yahweh. Il s'appelle le Tétragramme. C'est pas Jésus. Maintenant, Deutéronome 6, 4 là, on dit écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. C'est ce que tu avais dit dans la chanson tout à l'heure. Oui, mm-hmm. Et tu as dit que le prophète a mangé poisson, il est mort. Oui. C'est ce que tu as dit. Oui. Tu as les preuves de ce que tu dis? Oui, mais j'ai cité une preuve tout à l'heure. Non, faut lire le texte. Non, dans le texte. Hey. Je ne peux pas venir dans un débat. Aïe! Je vous donne les références. Hey, toi, tu lis ça. Mohamed, il a mangé le poison et il est mort du poison. Il est mort du poison. Vépin, faut revenir ici. Attends, je vais. Non, attends, c'est bon. On a ça ici. Nous, on a ça. Vépin. Pourquoi ils disent ça? Je vais te poser une question. Attends, doucement. Vépin, je vais te calmer. D'abord, il a mais tu n'es pas le seul, on parle ensemble. Mais la question qu'il a posée, il faut me laisser. Non, tu as répondu à ça. Tu dis, il a mangé le poisson, il est mort. Donc, vous deux qui allez poser la question, moi, je ne pose pas de questions. Non, tu as posé aussi. Combien de questions? Attends, une question. Il a posé deux questions. J'ai vu, mais si toi aussi, j'imagine que tu es un jeune. Tiens! Les critères. Faut te calmer! Attends, il y a un métier. Vous deux. Ça va. Tu as fait une allégation. Comment la faut oublier? Dis que le prophète a mangé le poison, il est mort. Oui. Si tu maintiens ça, oui. Tu persistes, oui. Et tu insistes, oui. Très bien. Quand il a mangé le poison, oui. Je veux savoir, le poison, quand la dame l'a mettait le poison, c'était un poison à court terme ou à long terme? Ouais, c'était pour le tuer. Écoute attentivement. Là, pour tuer quelqu'un, la mort d'une personne empoisonnée dépend de la dose du poison. Mm-hmm. Ça dépend de la dose. Mm-hmm. Si on vous a mis un litre, par exemple, de poison dans un truc, vous mourrez tout sur place. Mm-hmm. Mais si c'est une petite quantité, mais vous mourrez à petit feu. Très bien. Voilà. Donc la dame mais, a c'était mais quoi? Seulement avant sa mort, il a reconnu que c'est le poison là qui l'a tué. C'est pas ce qui est demandé. Je demande le poison là, c'était à court terme ou à long terme? Je n'étais pas là. Aïe. Lui-même a dit qu'il est mort de ce poison. La quantité. Attends, quand la dame l'a mettait. C'est pas grave, tu n'as pas ton sortir. Quand la dame l'a mettait le poison là, oui, elle a mis un peu. Oui. L'objectif là, c'était de le tuer sur le champ ou bien c'était de le laisser vivre. C'était de le tuer. C'était de le tuer. Oui. On est d'accord. De le tuer. Voilà, donc, elle n'a pas fixé les dates. Oui, mais qu'elle a mis là. Elle a mis un peu, mais elle a mis beaucoup. Je n'étais pas là. Le texte dit qu'elle a mis beaucoup pour qu'il meure. Lis le texte. Vas-y, lis. C'est là. C'est pas pour le tuer. On va aller progressivement. Allons-y. On va questionner. À Raïbar. Écoutons. Une femme juive du nom de Zainab bint al-Haris, épouse de Salam, offrit au prophète une brebis rôtie. Oui. Elle s'était renseignée sur la partie de l'animal que le prophète a préféré. Donc elle a bien visé sa cible. Vas-y. Oui. Et apprenant qu'il s'agissait de la pâte, oui. Elle avait empoisonné toute la brebis. Elle a empoisonné toute la brebis. Maintenant, elle a l'intention de la dame. Oui. En insistant sur cette partie. Donc elle insiste sur la partie où le prophète aime. Elle a l'objectif là, c'est de quoi ça? C'est de le tuer sur le champ. Ouais. Elle m'a dit ça. Continue. Le messager d'Allah prit un morceau qu'il recracha. Donc il a recraché. Continue. Ne parvenant pas à l'avaler. Oui. Puis il dit, ce morceau de viande me dit qu'il est empoisonné. Très bien, continue mon frère. Il fit venir la femme juive qui reconnut son geste. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda pour quelle raison elle avait fait cela. Écoutez bien la raison. Elle répondit, je me suis dit que si tu étais un roi, je me débarrasserais de toi. Est-ce que ça c'est à long terme? C'est sur le champ. Vas-y. Et si tu étais un prophète, tu découvrirais la vérité. Donc, normalement, de base, il est... déjà, ça prouve qu'il est bien un vrai prophète. Mais continue encore, la suite m'intéresse. Le prophète lui pardonna. Oui. Mais plus tard, lorsque Bishr ibn... Stop, pardon, la patate, si tu dis, laisse le sauver. Allez, sauver. Vous bloquez là-bas. Regarde ça. Donc, Doin, la dame là, qu'elle a mis le poisson, et le poison sur l'aliment, le prophète a mangé, l'objectif c'était de le tuer. On est d'accord, non? Oui. De le tuer. Voilà, merci. Maintenant, regardez, prenez le micro maintenant. Parlez dans le micro maintenant. Ah non, tu ne comptes pas, c'est une ordinaire. Mais pour parler dans le micro, Pour parler dans le micro. Ce que tu as donné là. En fait, tu, après, tu donnes le temps de répondre. Je veux savoir.
elle a mis le poison. Oui. La question qui était posée, bien écoutez ma question. Oui. L'objectif, c'était qu'il meure sur le champ ou bien c'était qu'il dure avant de mourir. Mes chers frères, j'ai répondu déjà à la question. J'ai dit que la mort de la victime empoisonnée dépend de la quantité, la dose du poison. Donc si il a mangé une partie qu'il a cachée, il y a une petite quantité qui est restée en lui. Donc, cette petite quantité ne peut pas le tuer sur place. Ah, c'est une réponse claire. Merci. On n'a même pas bien de se maintenant, partir. Très bien. Si oui. Oui. Ils étaient combien à manger la viande? Voilà, dans ton hadith là. Dans le hadith, ils étaient combien à manger la viande? Les recherches que toi tu as fait là, ils étaient combien? Ils ne connaissent pas. Ouais. Ils étaient combien à manger le poison, à la viande empoisonnée? Ils étaient combien? Parce que tu as envie d'échapper à la question. Mais deux semaines, tu aurais dû préparer tout ça là. Je me suis préparé. Mais donc, il y a deux références. D'accord, ils étaient combien à manger le poison avec lui? S'ils sont 1000. 680 000. Non, mais savoir le nombre sans lui. Lui, il est mort du poison, oui ou on non. On va savoir s'il est mort du poison. Il est mort du poison. Et il a dit de sa bouche. On saura. Je sais pas pourquoi on va dans tout ça. Donc, on saura s'il est mort du poison. Et ici, il a vraiment dit. J'ai dit, ils étaient combien à manger le poison? Je ne sais pas. Merci. Voilà, merci. Ils étaient trois. Ils étaient trois. Oui. La question qu'elle te pose, les deux autres ont mangé le poison là. Pourquoi ils sont morts sur le champ? Alors que la partie du prophète était bien mijotée là, c'est la partie là qui était. Quand on me pose cette question, moi franchement j'en ris. Parce qu'ils en ont mangé. Oh, lui il a craché. Donc c'est une petite dose qu'ils laissent en lui. Ah. Ils ont mangé. D'accord. Il est mort du poison, oui ou non? Oui. Moi, bon, attends, maintenant, c'est tout. Maintenant le débat est fini maintenant. Montre-moi dans le hadith où le prophète a dit qu'il est mort du poison maintenant. Quelqu'un il a été empoisonné, mais elle allait parachever l'islam. Jusqu'à la dernière sourate même a été descendue. Les gars, la preuve, hein, la dame dit, si j'étais vraiment un prophète, j'allais me débarrasser de toi. Maintenant, regardez le problème. Le prophète, il a mangé selon eux le poison. Et Allah, il dit qu'il a parachevé pour lui la religion. Le problème, c'est quoi? C'est que ce qui fait de lui un véritable prophète, c'est que quand la dame l'a empoisonné, normalement, s'il n'était pas un véritable prophète, il devait mourir. Comme les deux autres. Comme les deux autres. Mais la femme dit, j'ai voulu voir si vraiment tu étais un prophète. Donc, c'est la preuve, quelqu'un il mange qu'il ne meurt pas, qu'il est véritablement un prophète. Ça, ça fait un. Encore ton objectif, c'est de montrer qu'il n'est pas un prophète. Donc, déjà, la femme même te montre que lui, là, c'est un véritable prophète. Et de deux, tu dis qu'il est mort après. Bon, il est mort après quoi? Après sa prophétie ou bien il est mort avant sa prophétie? Il a parachevé l'islam complètement. Alors, ce qui fait qu'on dit que tu es le prophète Mohammed, c'est parce que tu as envoyé l'islam dans sa forme parfaite, définitive et universelle. On t'attend, hein? On t'attend. Ah, on l'a parlé à nos frères, mais on t'a pas oublié. Donc, le problème ici, là, il a mangé le poison, il est mort. Jean-Baptiste lui-même, il a été décapité. On a coupé sa tête. Est-ce que parce que Jean-Baptiste était décapité, cela veut dire qu'il est faux? Selon la Bible, selon eux-mêmes, Jésus allait à la croix, selon eux. Alors que la croix est faite pour les bandits, les voleurs, les brigands. Personne n'en a dit pour autant que c'est pourtant, on peut dire que Jésus, Dieu est venu sous forme humaine, était un bandit. Non, on nous montrer ces clips. Écoutez, je vois que combien de questions tu poses et combien je pose. Le verset où le prophète a dit qu'il a combien mangé. Combien de questions tu poses? C'est la seule question, c'est la seule à poser. Bien, je vais essayer de vous dire ceci. Hein. Il ne faut pas échapper à cette réalité. Il sait pas, si 10 000 personnes ont mangé du poison, que beaucoup sont morts, qu'un est resté vivant parce qu'il n'a pas avalé le poison, cela. Si avant sa propre vie, c'est le poison qui l'a tué, mais c'est le poison qui l'a tué, tu n'as pas bien échangé ça. Mais écoute, faut pas parler dans toutes ces choses-là. J'ai des choses à la preuve ou bien tu n'as pas la preuve. Je vais te donner la preuve et à toi d'aller venir. J'ai le verset là, c'est où? Je te donne Al-Bukhari, la référence. Quel Bukhari? Où il a dit qu'il est mort? Écoute, attention, donc, écoutez les frères. Je reviens encore sur un autre point. On nous dit où il a dit qu'il est mort du poison. Non, moi je ne suis pas. On n'est pas de là pour question de réponse. Depuis tu parles, je ne peux pas parler. Ça c'est quoi? C'est bon. Depuis, Mohamed a mangé le poison, il est mort du poison. Moi ça me suffit largement. S'il est mort 100 ans après, ça, moi, je ne regarde pas. S'il est mort du poison, c'est pas grave aussi. Ça ne fait pas de lien. Il est mort du poison. Ouais, c'est pas grave.
Bon. Maintenant, la question que je vais vous poser aussi. C'est quoi la question? Mais il y a eu des prophètes dans la Bible qui devaient mourir et puis Dieu a augmenté leurs années, leurs séjours sur la terre. Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui. Mais avant la mort de Mohamed, il a demandé à ses disciples de lui apporter un bic pour écrire un testament pour qu'enfin, après lui, cette terre ne se dispute pas. Mais. Donc le gouvernement. Ouais, ouais, c'est bien, non, gouvernement. Laisse-moi finir. Il savait. Laissez-moi finir. Il n'est pas la question. Oh, j'ai dit, laissez-moi finir. On finit maintenant, j'entends. Oui. Alors, mais c'est très simple. Quand lui devait mourir et qu'il a demandé qu'on lui apporte un pic pour écrire un testament, pour qu'après lui, les gens ne se divisent pas, mais le temps que les gens apportent le pic, il était déjà mort. C'est quoi la question? Pourquoi Dieu ne lui a pas donné 15 minutes? Il faut nous lire le texte. Il nous lit le texte net là. Moi, il me dit. Ah, c'est fini. Il n'y a pas de problème. La référence, plus le texte. En attendant qu'il va trouver le texte, vas-y, il va trouver. Le samedi prochain, sinon on va dire chaque samedi, Inch'Allah, on va se retrouver au jardin de Yopougon. Il y a un deuxième forum qui va s'ouvrir, Inch'Allah, Yopougon. Vous voyez le Yopougon, premier pont là. Sous le premier pont, il y a un jardin. Chaque samedi, 16h, 18h, on va se retrouver là, Inch'Allah. Donc, à partir de samedi prochain, on vous invite tous, Inch'Allah. Voilà. Tu n'as pas trouvé. Tu n'as pas trouvé, non, fais l'achat, il va partir. Bon, les gars, si vous voulez, vous pouvez fuir. Bon, faut montrer. On t'attend. Ça là, on attend. Excusez-moi, il faut qu'on attende, sinon, on va aller dans la foule. J'ai eu ta chance, il n'y a pas de lampadaire ici, sinon on allait mettre. Allons-y jusqu'à matin. Ah oui, hein. Là, on a le temps de bien faire la chose. D'accord, faut faire, faut montrer, donc il est ici. Tu vas aller chercher tranquillement. Je suis en train de chercher à traduire. Allez, ça va bien. Toujours pas. Faut parler anglais là. Nous, tu ne parles anglais aujourd'hui. Tu parles si anglais. Si je parle anglais, vous pouvez traduire. Il y a traduit. Ok. Attends, faut nous donner la référence d'abord. On va vérifier la référence. C'est pas on m'a demandé pardon. Je ne sais pas. Al-Bukhari, compagnie 44-32. Combien 44-32, ça y est, du corps. Volume combien? Franchement, je me sens mal quand même de m'arrêter devant vous parce que ça, on est ne va pas comme des responsables. Non, tu n'es pas responsable. Tu dis que tu dis 44-42. Mais ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Laisse-moi te parler. Vous voulez fuir parce qu'il y a une réalité à mettre ici. Laisse-moi parler. Mais tu n'as pas tu dis que tu carries combien? 44-32. Ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, pourquoi moi j'ai ça ici? Bon, faut lire. Vous carriez 44-32, ça existe. Boukari là c'est quoi d'abord même? C'est quoi? C'est un hadith. C'est un hadith. Oui. C'est faux. C'est quoi? C'est un recueil de hadith. Hadith c'est un hadith. C'est un hadith. Je dis que c'est un hadith que tu as dit. C'est pas un hadith. Maintenant si c'est un recueil d'hadith, où est le problème? Il a recueilli plus de. C'est un hadith oui ou non? Non, c'est pas un hadith. Non, c'est les hadiths oui ou non? Écoute doucement. Ah, mais je comprends pas. Boukari, non, hein. C'est un recueil. Ah oui ou non? Explique maintenant. C'est un recueil de hadith. Donc quand tu cites Boukari, tu dois dire volume, temps, numéro, temps, page, temps. Okay. Le numéro que je donne là, vérifie parce que moi je l'ai ici. Il n'y a pas 44. Oui, mais j'ai dit je l'ai ici. Mais il n'y a pas 44. Hey. Dans quel livre? Dans quel livre? Bon, regarde, là je n'ai pas dans ce débat là. Tu te mets sur le mensonge. Tu t'as dit ça.
Vraiment, Islam, vraiment, c'est une religion positive. Et le prophète Mohammed est venu ici, vraiment pour suivre la religion musulmane, très, 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 très,